aujourd'hui chez AGS Formule 1 pour Classic Course l'essai de deux voitures sur la base du circuit du Var. Nous avons l'Alpine A110 sortie en 2017 d'un côté, de l'autre côté le Porsche Cayman sorti pour ce modèle là en 2013. Deux voitures comparables dans leur esprit, dans leur forme, toutes les deux à moteur central, propulsion, des puissances relativement proches avec 250 chevaux pour l'Alpine, 275 chevaux pour la Porsche. L'Alpine étant plus légère avec 1103 kg, la Porsche, elle, étant à la barre des 1400 kg. Elles ont des montes pneumatiques différentes. L'Alpine a du 235 à l'arrière avec des jantes de 18 pouces et du 215 à l'avant, tandis que cette Porsche a des jantes de 20 pouces en 235 à l'avant et 265 à l'arrière. On conduit beaucoup mieux avec le volant à la hauteur des yeux. Tu regarderas qu'à F1, ils ont tout ce volant-là. D'accord. Quand tu braques, tu dois avoir pratiquement l'œil à l'horizontale avec ta main. La voiture est effectivement un peu souple pour un circuit, ce qui est normal. Par contre, il y a un très très bon équilibre des masses. Chauffé, qu'il y a un peu de dérive, donc ça fait ça. Bon. Ils sont pas assez gonflés, ces pneus. J'ai dit, quand tu vas sur un circuit, il faut que tu mettes au moins 2,7 kg. À chauffage, ça prend 300 grammes, tu vas à 3 kg. C'est au moins ce qu'il faut sur un circuit. Là, il doit être gonflé à 2,4, même pas à 2,3. Il n'est pas gonflé fort. Hein. Alors déjà qu'elle prend un peu de mouille, la voiture. Mais enfin, bon, c'est vraiment sympa quand même. Hein. On t'en donne une des deux, laquelle tu veux, je prends l'Alpine. Parce que c'est la plus plaisante à conduire.
elle est beaucoup plus plaisante, elle réagit mieux et elle est plus facile à conduire aussi. Et elle t'apporte des sensations supérieures à la Porsche. À l'entrée des virages, tu vas avoir pas mal de sous-virages avec cette voiture parce qu'elle est plus lourde. Je pense que ça vient peut-être de ça ou des réglages. Et ensuite, elle est très vive du train arrière une fois qu'elle est en appui en sortie de virage. Tu vois. Et celle-ci survire à l'entrée, hein, tu as vu. Et je garde le survirage et je garde jusqu'à la sortie. Et encore que je ne connais pas la voiture. Et elle reprend sa ligne. Oui. Si je fais encore plus de tours, je vais arriver à faire des glisses bien réglées. Là, c'est le premier tour de roue, je ne la connais pas la voiture. Là, je ne la connais pas non plus. Et là, je n'ai pas le résultat que je voulais avoir. Là, j'ai un résultat différent. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Voilà. Voilà, elle te prévient la voiture, elle ne te surprend pas. C'est ça qui est génial. Ils ont bien fait leur truc. L'autre te surprend. Les Porsche, c'est connu, c'est des voitures de pilote. Bien sûr. C'est vrai.